je m'appelle Anne, j'habite Huy, donc je suis donc utoise. J'y travaille également. La Meuse a toujours déterminé notre histoire, puisqu'en fait, notre slogan est « Oui, fille de Meuse ». La ville s'est créée le long de la Meuse, parce que la Meuse a toujours servi de moyen de communication. On pourrait dire qu'elle est studieuse, mais elle n'est pas que studieuse, elle est surtout festive parce que vous avez une grande place avec pas mal de terrasses où il est toujours possible de boire un verre à n'importe quelle saison. Et vous avez quelques petits concerts, vous avez quand même pas mal d'activités. Et la majorité des activités qui se passent en ville passent par la grande place, donc ça amène systématiquement de l'ambiance. La collégiale est vraiment un des joyaux de la ville de Huy. Elle aussi, on la voit directement quand on arrive au centre-ville. Elle est superbe, elle n'a pas été abîmée ni par la Révolution française, ni par les conflits mondiaux. Elle est très très belle. La première pierre a été posée en 1311, donc elle date vraiment du tout début 14e siècle. C'est de l'art gothique, elle est sublime et notamment ses vitraux valent vraiment la peine. Notamment, une des merveilles de cette collégiale, c'est la rosace qui se trouve dans la tour ouest et qui est vraiment impressionnante au niveau de ses couleurs. Par contre, il y a vraiment une chose qu'il faut pas rater quand on vient à la collégiale, c'est aller visiter le trésor qui se trouve dans la crypte romane juste en dessous. Cette crypte romane date du 11e siècle, elle est sublime, elle est très belle, tout en simplicité, et elle abrite un trésor merveilleux. Le fort est vraiment un élément incontournable, on le voit de partout. Quand on arrive à Huy, c'est une vue assez impressionnante, on le voit aussi fort bien de la Meuse. Il aurait dû servir à défendre la ville de Huy en fait. Il a été construit un peu plus de 200 ans par les Hollandais. Il n'a jamais servi pour défendre la ville, mais il a servi comme prison militaire, notamment à la Seconde Guerre mondiale. Le bateau, il faut faire un tour pour pouvoir découvrir à quel point en une heure on est dépaysé, on voit la ville autrement, on a un aspect de découverte historique tout en ayant quand même une activité qui relaxe et qui permet de découvrir autre chose, la ville tout à fait autrement. On oublie les voitures, on oublie la route et on découvre uniquement les bâtiments. C'est vraiment une façon très, très agréable de découvrir la ville autrement.